Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode du Let's Play sur la campagne de Call of Duty Advanced Warfare. Rien du côté nord. Attendez, pourquoi est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qui se passe? Il prend la fuite, en route. Allez, allez! Let's go! Allez, on fonce! Un fourgon blanc avec des plaques standards vient de forcer le point de contrôle. Commencez par une course poursuite. Je pas dis pas non dans l'absolu. Je dis vraiment pas non. Mais n'attaquez pas! Fonce, Mitchell! On n'attaque pas pour l'instant, on reste pacifique. Donc, qui dit San Francisco dit bien entendu Golden Gate Bridge. Et là, on peut le voir, il est pas très loin. Et ça aide vraiment de toute façon le cœur de cette mission. Ouf! D'ailleurs, je crois que c'est cette mission qui était celle qui avait été un peu présentée en avance. C'est souvent comme ça, avant que les campagnes elles sortent, enfin, que le Call of Duty même sorte. Ils font toujours une petite démo sur une mission. Je crois que c'était la mission qui avait fait justement. La petite démo, ils l'avaient fait dessus en tout cas. Dans mes souvenirs. Oui, oui, parce que là, oula. Non, mais dégagez! Hop, il détruit. Non mais je sais pas ce qu'on a comme type de d'arme là sur notre véhicule. Mais c'est du puissant hein. À toutes les unités. Ah oh, c'est puissant par contre. Hein. Et on arrive sur le Golden Gate Bridge. Oh, on là on cause une multitude d'accidents. Il y a plus rien qui va. Sentinel 1. Guardian 5 est au sol, prêt à réceptionner. Regardez ça, quel bordel. Quel énorme bordel. Wow. Accrochez-vous. Je ne contrôle plus rien. L'interception, elle va pas être évidente maintenant qu'on a plus de véhicule. Ça va? Cormac, notre pic boulet hors service. On y va à pied. Toujours avec la HVR à 3. Oh, il y a le LMD en secondaire. Oh, ça déconne pas pour alors. Hein. Bon, je suppose on peut prendre des. Ah, pas, pas cette fois. Pas pour l'instant. Surtout. Il faut évacuer ces civils du si je peux pas prendre des portières, qu'est-ce qui. Qu'est-ce... Ah, si, d'approche. C'est bon, regarde. Merci. J'aime jeter les portières. Bon, là, par contre, jeter les portières sur les ennemis en hauteur, non. Donc, ce sera lui. Il va prendre la portière. Je vais surtout me mettre à couvert. Oui, c'était sur cette mission qu'on a vu la démo à l'époque. Mais par contre, attention là. Hein. Non, vous pouvez pas me toucher là, je suis vraiment à l'abri. Tranquille. Petite grenade intelligente sur le tas. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Ils sont tous morts là, c'est bon. Active tes boosters. Il faut qu'on passe par-dessus les voitures. Ah c'est vrai, oui, on a le double saut pour cette mission. Non mais attends, on l'a tellement pas eu beaucoup de fois en fait depuis le début de la campagne que ça fait bizarre d'avoir le double saut. Ce serait naturel normalement, comme le dash. Par contre LMD, même si ça va en fait, on a pas mal de mun avec, mais bof, pas très enclin à l'utiliser hein, le LMD. Ça me motive pas tant que ça. Ok. Bon, il reste encore 300 mètres, mine de rien. Mais je crois qu'en plus, de toute façon, là... En tout cas, cette mission... La prochaine, je sais pas trop. Mais je crois que cette mission est pas très longue, en plus. Donc oui, là, c'est clair qu'on va s'en faire deux aujourd'hui, hein. Pour une fois. Non, mais c'est un exploit dans ce Let's Play quand on fait deux missions en un épisode, hein. Vraiment, c'est... Waouh. Oh my god. Et que se passe-t-il? QTM. Je suis pas sûr que ça touche grand monde. Pour les drones en tout cas. Ah bah c'est pas tout retour hein, la traversée du Golden Gate Bridge. Wow. Ah je peux regarder là, ils commencent à avoir les grosses armures de protection du côté d'Atlas. Donc ça va être encore moins évident. Parce que là ça va, ils ont pas beaucoup de protection, mais il y a les autres là avec les grosses armures. Ils ont pas une arme pour moi en contrepartie de. Ah YMR voilà. En contrepartie du LMD.
On se rapproche. Enfin, ça c'est les alliés, tout va bien. On y est presque. Et là on a des civils aussi. Bon, le van il est immobilisé donc ça va au moins. Mais par contre c'est trop stylé. Allez, tu vois comme environnement. Michon sur le Golden Gate Bridge. C'est quand même vachement classe. J'ai besoin d'un tir de couverture. Compris. Négatif. Le fourgon passe en priorité. Bordel. Super. Wow, 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 par contre là attention. La cover, ils sont tous avec des lanceurs. Plus j'ai plus de balles dans l'IMR. J'ai plus de balles dans l'HBR. Oh putain. Tu imprimes pas des balles mon IMR là, sérieux? Oh. Quelle nullité. Je me faufile, je ramasse une arme et on repart. Elle a des balles au moins ma balle 27 là. Ouais non. Elle est quasiment vide aussi hein. Aïe 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 aïe. Bon j'avance j'avance mais là c'est les munes, elles commencent vraiment à me poser quelques soucis. Et comme dans le dernier épisode hein, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment mais je suis toujours en panne de munes. Allez on avance, on avance. Il reste 100 mètres, sa dernière ligne droite. Vas-y hop, prends ça toi. Voilà. Oh mais là j'ai encore plus avoir de balles. C'est pas possible. Oh ils sont combien en plus? Enfin, grosse grenade intelligente dans le tas, je pense que ça fera le ménage ou pas d'ailleurs, non? Ils encaissent vraiment bien. Hein. On est sur le côté en plus. Où ça les alliés d'ailleurs? Pas des alliés ça hein. Vous me duperez pas. Non, c'est bon, là on arrive. Hein. On arrive, on arrive. Ah oui, ils sont là les alliés, effectivement. C'est bon. Mais putain, il m'a fait peur lui par contre à tirer là. J'ai cru que il était hostile. Le fourgon est coincé. Alors, le fourgon. Il est là. Couchez-vous. Ah lui instant ils l'ont tué hein. Lui ça va, il reste en vie pour l'instant. Et je crois que c'est déjà la fin de la mission là, donc mission de 10 minutes. Ah ouais c'est peu habituel hein. D'habitude les missions elles durent beaucoup plus longtemps. Là seulement 10 minutes. Donc on va pouvoir naturellement enchaîner la prochaine. Oui bah ton message, ton message. Arrête ton message. Let's go. On a du mouvement sur les transports 3 et 5. Changement confirmé sur ces cargos. Ils attaquent la flotte. Ça va être un massacre. Du calme, lieutenant. Il me reste combien d'hommes actifs dans le secteur? Je vais voir. Attendez. Liaison établie. À tous les sentinelles, répondez. Sentinelle de 2 en rapport. Charlie. Sentinelle 2-1, 5 sur 5. Vous allez pouvoir me dire ce qu'on fait maintenant. Je vous reçois. Mettez-vous en position sur le porte-avions. Je vous rejoins. Ça pue. Par contre, encore un porte-avions. Mec, ça s'arrête jamais les porte-avions. Ils ont enchaîné ça sur 3 Call of Duty suite en fait. Hein. BO2, Ghost, Advanced Warfare. Que des porte-avions. Tout le temps. Tout le temps. Non, oh, aïe aïe. Ah, déconne pas. Atlas essaie de prendre le contrôle des armements du porte-avions.
Il faut qu'on pose des brouilleurs sur les canons et qu'on appuie nos techniciens. Troupes ennemies partout sur le porte-avions. Ils vont essayer de prendre le pont. C'est bon, allons-y. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Non mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait également une mission sur un porte-avions sur Advanced Warfare quoi, comme ouais, comme BO2 et Ghost hein, comme je vous l'ai dit. Bah Ghost vous avez pu le voir dans le précédent let's play. Ah ouais, toujours hein. Toujours. Bon, ai-je des balles? Mais attends, mais j'ai gardé les mêmes armes en fait. Non, c'est pas exactement les armes que j'avais là. Si, je crois qu'ils nous ont les ont redonné. Oh la complexitude. Je n'y arrive plus. À moi, ça m'a fracassé le cœur, hein, la destruction du Golden Gate Bridge. Non, en fait, non, je suis bon. Bon là, c'est le bordel parce qu'il y a des ennemis un peu de partout. Je peux pas non plus se permettre de foncer dans le tas comme ça. C'est vrai que j'ai le stimulant par contre, hein. Là, on nous a rien dit, mais du coup, je pense qu'on a exactement les mêmes capacités d'exo que dans la mission précédente. Donc on a normalement le stimulant et tout encore. Je suis même pas servi en fait, hein. Avant là. Mitchell, pose le brouilleur. Ouais, alors regarde, on a bien le stimulant et l'autre du coup c'est l'espèce de truc pour les déstabiliser, voilà. J'ai encore oublié son nom. Les Sonic. J'appelle ça comme ça, voilà. Et ouais, les charges supersoniques de toute façon. Ok. Oh, y a un morse pour le beau jeu, peut-être que je prends le morse. À la place de la balle 27, un peu de morse. On peut éventuellement se faire plaisir, effectivement. Oh, par contre, c'est stylé, regardez la destruction du Golden Gate Bridge. Hélico d'Atlas en approche. Il déploie des hommes. Il faut se rendre à l'opposé. Planque-toi. Ouais, ouais, non, ouais, non. J'ai pas envie de me cacher en même temps, mais ouais. Pour l'instant, ils ont pas l'air d'être trop aggro sur moi. Faut aller carrément du poil opposé. J'ai pas trop le souvenir de cette mission en réalité. Alors ce passage si, mais après... Après je sais plus trop ce qui se passe, on va voir. On n'a pas forcément le souvenir. Ah effectivement là par contre ils sont plutôt aggro. Ça devrait les ralentir. Et de deux. Canon sécurisé. On se dirige vers le pont. Ok, donc maintenant faut à nouveau tout traverser. Non mais il y a beaucoup trop de... C'est des Warbirds hein. Beaucoup trop de Warbirds. En voilà d'autres. Ah bon, on se faufile. En vrai, à part les Warbirds, il n'y a pas l'air non plus d'avoir d'autres ennemis. Il y en a partout. Oui, vraiment partout. Le soutien aérien est... Je me faufilasse. Entendu. Allez, hop, allez. On a encore le double saut. Je veux pas que quelqu'un se brise le cou. Donc plus de booster, ok, donc plus de double saut. Alors, en même temps, on sait qu'il ne faut pas sauter là. On n'est pas si con. Au minimum. Oh, tac 19 là. Ouais, non. Ah, il y a des mines surtout. Ah, quoique si, parce que là, on va sûrement partir sur le corps à corps. Hein. Désolé, mon morse, j'aurais au moins fait un kill avec toi. C'est déjà bien. Salopard. Le courant a été coupé. Passez en vision nocturne. Oh, vision nocturne. Oh, il est bizarre en plus, hein. Ah, c'est pas comme comme dans Modern Warfare. Hein. Pas du tout. Là, c'est orange au lieu d'être vert. Ça me gêne pas, tout va bien. Et j'ai bien fait de prendre le tac 19. Parce que là, lui, il veut pas... What the fuck, mais... Je vais mourir, parce qu'il veut pas prendre ses ondes, là, de tac 19. Ça va l'air très utile, en fait, contre les super blindés. Hein. Bonjour, toi, par contre, avec ta belle tête, là. Elle est bizarre, quand même, hein, la vision nocturne, ouais. Hein. C'est très bizarre. Mais ouais, regardez, il encaisse pas du tout. Il est mort, là. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, pas très efficace contre eux, hein. Les ennemis basiques, oui, mais eux, non. Là, je pense qu'on est bon pour la désactiver, la vision, quoique... L'ennemi contrôle le laser de défense anti-aérienne. Ouais, non, c'est bon. On va rester avec, quand même, hein. On va pas se gêner. Il faut qu'on réussisse à passer de l'autre côté du hangar. On n'a pas l'air non plus d'avoir des dizaines et des dizaines d'ennemis. Oh, Amélie. Attends, première fois qu'on l'a, elle, dans la campagne. On l'avait pas encore vue. Ça peut être plutôt efficace. Après, je dis, il n'y avait pas grand monde, mais le monde arrive maintenant.
naturellement. Et là maintenant je peux utiliser le double saut ou pas? Ouais là c'est bon, c'est clean. Oh, par contre il y a l'air... ouais, il y a un Goliath. Hein. Alors on va prendre l'IEM. Hop. Vu que c'est un brochet là. On va tout doser avec la mêlée. Ni une ni deux. Normalement deux IEM ça suffit de toute façon. Pour le griller. Ah, celle-ci ça va pas vraiment griller mais je crois que c'est bon, il est mort. Hein. Ah c'est bon. Ouais, tu vois, les Goliath, hein, ils sont mastoc et tout, mais finalement... pas si redoutable. On peut les défoncer à ça. Ouais, tu vois vraiment, ils encaissent trop bien les balles. Ça a l'air d'être bon. Moi, je veux regarder un peu la vue, là. Attends, à San Francisco, là, c'est magnifique. Bon, y a pas trop de détails, hein, c'est loin, mais quand même, c'est beau. Par la porte. Ok. Je crois que cette mission, pareil, elle doit pas être très longue non plus, comme la précédente. Là, cette partie-là, tu vois, je m'en souviens plus trop. Force d'intervention rapide d'Atlas en approche. Des capsules de déploiement. Bizarrement, j'avais plus de souvenirs avec la campagne de Ghost que celle d'Advanced Warfare. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle est plus récente. D'un an. Oh! Allez, hop. Ça dégage. Violence gratuite. Gratuite, mais justifiée, attention. Faut pas s'y méprendre. De point de contrôle atteint. Et vision nocturne. Voilà, encore les relous là avec plein de protection. Heureusement qu'il n'y en a pas non plus tant que ça. Oula, attention toi. Ouais non là je peux pas monter tu vois avec double saut. On passe par là alors non? Ouais. Ouh, j'ai mis le monde. Ça m'a l'air d'être clean. Allez, on continue. Ah bah voilà. On arrive un peu au poste de commandement. Ok, j'ai établi la liaison. Mitchell, tu vas t'occuper de la visée. Utilise ce terminal. Alors, la visée. Oh. Stabilise la visée sur le cargo, Mitchell. Oh, oh ça chavire hein. Il y a les Warbirds aussi, faut pas les détruire en même temps. Ils tirent sur le cargo. Ok, en fait les Warbirds j'ai l'impression on s'en fout hein. Ils sont juste là pour le décor. Ouais mais par contre vous avez vu les charges qu'on fait là avec le canon. Wow. Ça encore une fois c'est de la destruction massive hein. Ah le cargo là il fait grise mine hein. Pas le figure hein. Putain de merde. Là, il est allé trop loin. Et maintenant? Maintenant? Irons vient de tuer des milliers d'innocents sur le sol américain. Alors, on le retrouve. Et on l'élimine. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va même se faire une troisième mission. Parce que là il en reste 3. Donc soit de toute façon je vous propose les 3 dans le dernier épisode. Mais non, je pense qu'on peut enchaîner aujourd'hui parce qu'on est à 20 minutes d'épisode. Donc je pense oui on peut s'enchaîner à la troisième mission finalement. Après je sais pas du tout au niveau de la durée. Mais oui comme ça, ouais je pense que c'est ça la logique. Comme ça on s'arrête dans ce menu là mais pour la prochaine mission. Comme ça on gardera la cinématique bah des deux dernières missions quoi. Oh ça me paraît bien, voilà, j'avais pas forcément pensé à cela auparavant parce que je pensais pas qu'elles allaient être aussi courtes ces deux missions là, mais au final elles l'ont été donc allez on continue. 3 missions, oh my god. On me pose toujours la même question. Pourquoi ai-je attaqué les États-Unis? Les États-Unis n'ont cessé d'entretenir la guerre dans le monde entier depuis plus de 100 ans. Nous avons vu plus d'une fois les résultats catastrophiques de cette politique belliqueuse et militariste. Ces guerres n'ont donné ni résolution, ni paix. Ces guerres n'ont fait que mener à d'autres guerres. Les États-Unis menaient la danse parce que c'était eux la plus grande puissance, mais plus maintenant. Ce n'est pas le commencement d'une guerre.
c'est la fin de toutes les guerres. Il est des terres. Après San Francisco, le monde libre tout entier s'est retourné contre Atlas. Iron s'est retranché dans son QG de la Nouvelle-Bagdad. Toutes les communications ont cessé. Les deux camps savaient à quoi s'attendre. Notre mission était d'accompagner la 37e aéroportée lors de la campagne choc initiale. On devait ensuite se séparer et infiltrer le centre de commandement d'Atlas pour éliminer Irons. Pour Cormac, c'était la fin d'un long voyage. Il attendait ce jour depuis 5 ans. Changement de dernière minute. Vous passerez par l'Est et le Nord pour couvrir l'équipe bleue pendant qu'elle se déploie sur la cible. Compris. On emploie la méthode douce. Il n'y a pas de méthode douce ou forte. J'évite juste de jouer tous mes atouts d'un coup. Nous n'aurons qu'une seule chance d'éliminer cet enfoiré. C'est tout ce qu'il faut. Je sais. Restez en vie. Vous serez notre témoin clé quand on le jugera à la haie. J'ai vraiment hâte d'y être. Bonne chance, messieurs. Il n'y avait rien d'autre à dire. On savait tous ce qu'il fallait faire. C'était le début de la fin. Pour l'un de nous. Oula, oula. Bon, moi je sais ce qui va se passer, mais j'avais pas le souvenir qu'il l'annonçait finalement comme ça, un peu en mode subtil. Plein gaz, Nouvelle-Bagdad, Irak, 8 janvier 2061. Et on passe en 2061, attention. Sauf propulsé, Sonic. Grappa. Le fin ici, grappa. Sentinelle 2-1. Oui. On approche de l'ACP Romeo Victor 0 à 5000 pieds. Bien reçu. Restez à basse altitude jusqu'à la Nouvelle-Bagdad. Terminé. Unité sentinelle aérienne. Regroupez-vous. Attaquez tout ce qui ne porte pas une balise sentinelle. Oh. Vous pouvez inverser. Non. Non, non, non. Je sais, il y en a, ils aiment bien inverser les commandes comme ça en truc de vol. Mais non, en fait. Hors de question. Quand je monte, je monte. Quand je descends, je descends. C'est bien mieux comme ça. Ah, puis-je tirer? Ok, oui, je peux tirer, effectivement, c'est bon. Ah, j'ai pas trop le souvenir de cela, pareil, tu vois. Mais je crois, non, par contre, je crois pas que c'est une mission full, full avion comme ça. Non, non, non. Freiner, ok. Bah, freiner pour stabiliser, je pense, et avoir facilement les cibles. Du coup, on n'a pas. Ah, si, il y a L1 aussi, ok. Ah, L1 donc mitrailleuse en fait. Moi j'étais que avec les missiles depuis tout à l'heure, mais. Post-combustion, ouais. Voilà, je sais pas trop quand il faut que j'accélère, quand il faut que j'ralentisse. Je reste là son petit truc, très bien. Mais pas trop. Mais pas trop. Bah là, je crois que c'est pas parce que j'étais trop basse altitude, je me suis surtout pris le côté. Aïe. Oui, mais oui, oui, mais non, en fait. Mais bon, on est rétabli. Ouais, ouais, ouais. Je me stabilise. On me dit de voler bas, du coup, moi je vole bas, mais ça te pose quelques problèmes. Oula. Y'a rien qui va là. Y'a rien qui va. Inquiète. Vol à moins de 2000 pieds. À 12h, basse altitude. Je passe à gauche. Très, je suis pas sûr qu'elle est si efficace. Hein. Oh, 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 trop haut. Surveille les arrières, Mitchell. Mais t'es trop, mais trop bas, c'est pas évident aussi. Hein. Je peux vous dire que c'est pas si simple à maîtriser parce que c'est très sensible. C'est vraiment très très sensible. Je vais y arriver. Hein. Mais c'est ultra sensible. Tire dessus avec tes missiles. Attention aux débris. Wow. Ok. Attention aux débris. Ah, je remonte, je remonte. Je remonte. C'est chaud. Oui, mais qu'est-ce que je fais du coup? Il y a quelqu'un derrière. C'est chaud à maîtriser. La bête est compliquée à tenir. On n'est pas de retour sur nos pas là du coup, non? Non. Cible éliminée. Ils reviennent par derrière. À 6h en hauteur. Ouais, détruisez pas tout encore. Hein. Là, faut tourner du coup. C'est bon, je commence à avoir un peu la sensibilité entre les mains. Là, c'était pas évident. Je crois que j'ai pris le truc là. J'ai pris le contrôle. Je viens t'aider. J'en ai eu un. Putain! Prendre contrôle à 5. On vous écoute. QG, ici Sentinelle 01.
Dernière ligne droite avant d'arriver à la nouvelle Bagdad. Bien reçu, 01. Le périmètre de défense aérienne ennemi est à 1,5 km. Démarrage de la séquence de largage. Pilotage automatique activé. Oh. Capsule déployée. Cible à 1200 mètres. Réduction d'intensité. On passe en mode de détection minimale. Bien reçu, 01. Votre équipe n'est plus sur le radar. 2-1, on approche à 12 400 pieds. Cap 3-1-5. Distance de 2000. C'est la fin de la mission ? Je connecte l'ATH au réseau de combat. Je crois pas. Notre cible est le centre de commandement d'Atlas, où Iron s'est retranché pour diriger l'effort de guerre. Des tourelles ont été placées en ville pour servir de défense anti-aérienne. On doit les détruire pour atteindre le centre de commandement. Distance de la cible, 200 mètres. Coupez l'ATH et préparez-vous à atterrir. Attaque de front du coup. Normalement c'est pas la même c'est la même mission. On n'a pas eu le message de transition comme vous le savez, comme on a d'habitude. Donc normalement on est toujours à la même mission. C'est juste une cinématique quoi. Ah, du retour ici du coup. Avec nos belles course poursuite et notre belle fuite. Oh. Allez, oh ouais, c'est marrant. On essaie d'accéder au quartier. Faut pas oublier, on a le grappin. Allez, regarde, hop là, direct. Wow, bon, on me donne un grappin, je grappine, hein. Grappine dans tous les sens. Voilà le bâtiment cible. Droitement, Davis. Ah mais oui, je me rappelle de cette mission, elle est pas longue. Enfin là, on a déjà fait une partie du coup, mais oui. Le reste là, du coup, est vraiment pas long. Même s'il y a beaucoup d'ennemis. Mais du coup, on peut directement aller aux objectifs normalement avec le grappin, donc j'ai même pas besoin. Enfin, j'ai pas nécessité de m'attarder sur ces ennemis. Mais ça, ils m'ont mis cher. Hein. J'ai quoi en secondaire? J'ai l'EM1. Ouais, bon, au moins je serais pas en panne de mine quoi. Donc, ouais, il va falloir mieux foncer directement à l'objectif comme ça. Grip! Hop! Miner les tourelles, de toute façon, c'est la priorité. Oh, super, on a fait l'enchaînement. Ok. Alors, du coup. Ça, c'est avec L2, hein, non? S'il mettait L2. Non, ok, faut juste appuyer sur 40. On va peut-être faire un finish him de toile avec le grappin. Coucou! Ah, tu croyais à l'abri là-dedans? Ouais, ça peut être compréhensible. Regarde, il y avait le truc encore du grappin là-dessus. Je sais pas à quoi ça sert. Genre, tu peux exécuter direct le truc avec le grappin? J'ai envie de tester, hein. Hop! Toi aussi tu dégages, il y en a encore une autre à côté. Et toi déjà attends, on va te chercher. Oh c'est stylé. Les exécutions. L'autre il est en bas du coup. Ah mais là regarde, attends. Ah oui, comme ça me permet directement d'enchaîner. C'est mieux, c'est pratique. Allez, Nico costaud dans les tourelles. Pour rester traîné. Ah et je peux prendre le contrôle, ok. Ça c'est les alliés ou pas du coup? Oui c'est les alliés, ok. Vas-y on va tirer sur ça hein. R2 pour verrouiller, un missile, ok. On a le regroupement. C'était plutôt rapide la destruction des tourelles hein. 5 sur 5 Rodrigo. La cible est à l'ouest du bâtiment Al-Sadi Financial. Plusieurs AST et au moins 3 blindés. Ah les AST, je crois qu'on peut faire un truc avec eux grâce au grappin, non? Je crois que oui, il y a une exécution à faire avec le grappin. Sur le radar. De toute façon là j'ai pas les grenades déjà. Pour les IUM. Normalement il y a un truc avec le grappin, dans mes souvenirs. Pour l'instant il y a rien qui s'affiche. Hein. Peut-être quand il sera à terre je pourrais faire quelque chose. S'il arrive à être à terre à un moment. Ou oh, attends, on peut passer à l'EM1, pire. Oh non, je suis bloqué. Oh non, 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 non. Calme, calme, c'est bon, mais attends. Bon, toi là, toi normalement t'es pas. Ah, c'est bon. Est-ce que le M1 était très efficace ou alors il était vraiment au bout de sa vie? Je sais pas, mais. Peut-être bien fonctionné. On retente sur lui, hein. Ah, mais y a pas de truc là avec le grappin. Attends, je suis presque sûr qu'il y avait une animation de ce type. Mais là, je sais pas. Bon, attends, on va te finir comme ça, la SM1. Dommage, c'est pas la speak easy. Oui, 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 oui. Calmos, calmos. Tranquille. Vers le centre des opérations. Il y en a encore un après.
Ça c'est quand même plus dur de les avoir sans IEM. Hein. Ah bah voilà. Ok. Hop. Il est dessus là, le dernier. Ah il est là-bas, il est tout en haut. Mais tu vois, il y a des foules d'ennemis à côté, mais je vais pas trop s'en préoccuper. Hein. Occupez-vous deux. T'inquiète Gideon. Ah lui, si je le rush comme ça, c'est peut-être pas non plus la bonne idée. Oh, ça m'a coupé mon grappin et ça m'a coupé mon anime. Hop. Je crois que j'ai plus de balles en plus dans la save 1, non? Ouais, ouais, ok. Il reste plus que M1. J'ai quand même les grenades intelligentes, mais bon, elle... Enfin, convaincu qu'elle fasse vraiment le taf. Est-ce que ça fait le taf, par contre? Ça a pas l'air de les stunts, non? Tranquille, on va la voir en prenant notre temps, mais on va la voir. Ah, voilà! C'est peut-être quand il est de dos. J'ai eu mon exécution, je savais qu'il y en avait une. Couvre-moi, Gideon. La classe. Il y a une cache d'armes droit devant. Mais la classe. Va avec Knox. Récupérez les Stingers pendant qu'on vous couvre. Ouais. Mais j'ai vu un truc intéressant du genre caisse de munitions juste ici. Ça m'intéresse plutôt bien. Juste descendre. Mais ça m'intéresse. Histoire d'avoir des balles sur la SM1 quoi. Parce que du coup ça récupère sur la SM1. Ouais, c'est bon. Alors Stinger. Stinger tout là-bas. C'est le bordel, hein. Il y a vraiment des ennemis partout. Bon désolé mon petit EM1 du coup. Allez, prends. Aïe. C'est pas n'importe quel drone hein, je dis ça, je dis rien. Putain, il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Knox va mal. J'ai besoin d'une évacuation médicale immédiate. Non, c'est Manticore. Il faut se replier. Faites évacuer la ville. Pourquoi le ça nous fameux fait rien Manticore. Irons l'a conçu pour que ses troupes soient immunisées. On a dû être vaccinés tous les trois. Intéressant, bah oui. On avait vu ça que du coup les troupes d'Atlas étaient immunisées. Et pour nous ça fonctionne. Citoyens de la Nouvelle-Bagdad, quel miracle. Forts. La victoire est à notre portée. Regardez autour de vous et vous verrez nos ennemis tomber les uns après les autres. Chacun de vous peut être un agent du changement. Oui, nous subirons des pertes. Nous affronterons des obstacles, mais n'ayez crainte, nous gagnerons. La sécurité que vous désirez, la sécurité que vous méritez, est à notre portée. Mais vous devez être prêt à vous battre. Battez-vous. C'est la fin de la mission, là, je crois. Pour l'instant, ce n'est qu'un vaste écran noir. Ah bah oui, c'est bien la fin de la mission. Et du coup, là, il en reste plus que deux missions. Donc, eh ben, on arrive à la fin du let's play. Le prochain épisode sera donc le dernier. 10 épisodes, hein. Et au final, je pensais qu'on allait partir pour beaucoup d'épisodes par rapport aux autres campagnes que je vous ai pu vous proposer sur Call of Duty. Mais non, 10 épisodes, c'est à peu près la moyenne. Souvent, ça tourne autour des 9-10 épisodes. Donc là, on aura fait 10 épisodes. Que celui-ci est le 9ème. Donc exceptionnellement aujourd'hui, vu qu'on a quand même fait 3 missions, on ne regardera pas la cinématique. On la laisse pour la prochaine fois. On commencera directement du coup avec cette dernière. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de like, de commentaires et de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve du coup très vite pour la suite. Et surtout pour la fin de ce let's play. Allez bye tout le monde. Ouh yeah.